Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2 dans lequel nous allons faire un petit peu d'histoire, chers amis. Ça va être un petit peu différent des dernières missions qu'on a pu faire. Je vous rappelle qu'on a les trois trous du cul là-bas qui sont impossibles à battre, etc., etc., etc. Bon bref, on reviendra dessus une autre fois. On va essayer de caler des épisodes d'une demi-heure, hein. En tout cas pour ce qui est de l'histoire aussi. Le seul détail, c'est qu'en fait, en histoire, je vais essayer de me... Si je commence une histoire qui dure plus d'une demi-heure, forcément, je m'arrêterai pas une demi-heure. Il semblerait qu'un autre parchemin ait été changé. Ça ne s'arrête jamais, hein. Veux-tu partir en mission temporelle? Partir pour la police du temps? Très bien, allons à la crypte du temps. Parfait, on y va. Histoire. C'est bon. C'est parce que c'est lui qui meurt, un truc comme ça. Ah non, dommage. C'est moi qui ferai tout, quoi. Je surveillerai Mira d'un autre angle. What? Autrement dit, tu seras très très loin du combat et je me taperai tout le boulot. Ok. Ça va être rigolo. Une fois de plus, c'est moi qui fais tout. Et après, c'est Trunks qui était... Heureusement que Trunks était là. What? L'Anka de... Oh, on passe... Bah bien, on passe déjà à ce bout-là, ok. Babou combat pendant un certain temps. Bah, je vais le battre. Je vois pas pourquoi tu poses la question. Hop. Ok, c'est moi qui prends. Boum, dégage. Et re... Ah, d'accord, il est inverrouillable. Bon, on va passer en Super Saiyan 3. Alors, j'ai vérifié sur internet s'il y avait des moyens de faire passer les attaques ultimes. Et en fait, non. Non, non, c'est juste de la chance. Apparemment, l'IA les bloquera, pratiquement, les bloquera ou les dodgera, donc les évitera. D'accord, oui, j'avais oublié cette technique. J'avais oublié cette technique. Hop, retourne par terre, s'il te plaît. Et, bah, par terre, c'est très très loin. Boum, ça prendra à rester de glace. Du coup, on risque d'avoir un véritable problème avec l'attaque ultime, en fait, qui passeront pas. Hop. Boum. Ah, quel dommage, j'ai pas passé. Bah, quel abruti. Voilà comment on arrête une ulti avec un pauvre point à la mort moelle-neux. Oh, t'es sérieux? Il y a 2 secondes, t'avais 0 barre de... Il y a 2 secondes, il avait 0. Vous avez remarqué, il était dans le rouge. Moi, quand je suis dans le rouge, faut que ça remonte à 5 barres pour que, ce soit, pour que je sois plus dans le rouge. Niveau supérieur, génial, 6 points. Ok. C'est dégueulasse, ça, par contre. Je l'avais, normalement. Gohan qui arrive. Bon, Gohan est stylé. Il a repris la pose, ils ont repris la pose du manga, donc j'ai rien à dire. Même si c'était un petit peu trop rapide. J'ai plus le droit à mon Super Saiyan. Allez, comp... T'es sérieux? Ah, je voulais le bloquer. C'était pas aussi long aussi. Putain, mais c'est débile, ils ont mal timé leur jeu, c'est pas possible. Ils ont vraiment pas à peine bossé dessus, en fait. Ils ont refait une nouvelle histoire, ils ont réutilisé par contre les mêmes missions que le premier. C'est débile. What?
Le truc qui sort de nulle part. Bonjour Broly, comment vas-tu? La forme? Non, mais t'es pas si balèze que ça, t'inquiète. Dégage. Et oui, j'ai accès à un Super Saiyan que tu n'existes, que tu ne connais pas normalement dans l'histoire originale. Oh, mais merde. Tu me saoules, Broly. Broly, tu... Non. Par contre, c'est une technique que j'aimerais bien avoir. Hop, ça t'apprendra. T'es tellement gros que je peux te choper de n'importe où. Boum, voilà. Merci, Broly. Ça va pas être drôle ton combat, toi. Merci, Broly. Bon, tu sais quoi? On va tenter un truc. Non. T'es sérieux, là? Final Kamehameha! Ça passe. À cette distance, ça passe. C'est cool. C'est bête, hein. Je suis sûr que tu t'en veux, maintenant. Hop les. Heureusement nous n'avons pas été transformés en bonbons. On a de la chance. Tu permets que je puisse passer mes attaques? Franchement, il est frustrant ce jeu. Sur plein d'aspects différents. Les combats se terminent pas, comme vous pouvez le voir. Certains combats sont d'un niveau complètement pété. What? On passe à Janemba maintenant? Et comment ça se fait qu'on est téléporté? J'ai même pas suivi le texte. Ah, c'est parce que lui s'est fait défoncer, d'accord. Salut, t'es stylé comme ça, remarque. Franchement, l'ange de l'au-delà. Ok, ben, un V1 alors. Hop, tu dégages. Merci. Merci, au revoir. Dégage! Ah, c'est stylé son... What? J'ai pas réussi à le placer. Oh mais non! Joli. Joli. Merci, dégage. Ah, ah bah c'est déjà fini. Voilà, vous voyez, comprenez pourquoi c'est frustrant. Ah, v'là le meilleur. Il est tellement stylé dans cette armure moulecouille. Hop, dégage, tiens. Hop. Mais non, mais je m'en sortais très très bien, tu sais, Vegeta. Hop, dégage et retour. Hop, merci. Dégage. Et je suis plus Super Saiyan, ou je l'ai été Super Saiyan dans ce combat? Oui. Tu me saoules à faire ça. Hop, ça prendra. Hop, ah dommage, tu l'as esquivé celle-là. Merci. Boum. C'est écœurant. Je peux vous assurer que c'est écœurant, chers amis. Allez, 6 points supplémentaires. Merci. Final Flash! Si tu le dis pas, je rage. Putain. Eh ben, franchement, je suis déçu. Ce jeu est cool. Mais c'est le même que le premier, en moins bien. Ah, par contre ça c'est cool que Vegeta me remercie parce qu'il le fait pas souvent avec le général. C'est vraiment sympa. Il me dit pas qu'on rentre déjà, on a encore Boubou à battre, enfin Bou à battre. Et on rentre déjà. Ah, nouvel élément entraîneur, ça par contre ça m'intéresse.
Il y a Vegeta qui veut nous donner des conseils et des astuces de cuisine pour les légumes. Vegeta, légumes, carottes. Napa, radis, tse. Faut penser à dire tse. Ok. Oh, je sais ce qu'il va me donner comme technique, je crois. Je crois que je sais. Ça serait pas le super Vegeta qu'il va me donner. Ça sert à rien. Si c'est ça, ça sert à rien. Tu viens souvent par ici. Tu viens super souvent ici. T'en as pas marre de tout le monde que tout le monde t'envoie balader? J'arrive plus, j'ai perdu sa voix. Eh, hey, toi t'es pas comme les autres. Tu commences à ressembler à Carotte. C'est nul là, des carottes, hein, c'est très très nul. Mais je me suis occupé de ta formation et ça change mon image de toi. Je l'ai perdu. Contrairement à lui, tu ne m'agaces presque pas. Hé hé hé. Qu'est-ce que je raconte comme sornette? Cette conversation est terminée, va faire des exercices. Fier prince Saiyan 3. Je suis heureux d'avoir pu rencontrer un disciple si remarquable. C'était très épanouissant. J'ai été surpris de me sentir fier en entendant parler de tes exploits. L'ancien moi n'aurait jamais ressenti ça. Je ne m'intéressais qu'à ma propre force. Pff, je deviens sentimental. T'es là pour t'entraîner, n'est-ce pas? Entraîne-moi. C'est tout? Alors, fier prince Saiyan 3, ça correspond à quoi? Dans les objets, j'imagine. Non, c'est pas dans ces objets-là, dans l'équipement. De toute façon, faut qu'on a dans les attributs aussi. C'est là-dedans, non? Même pas. Alors, non, je voudrais voir la liste des objets, en fait. Sac. Objet. Objet important. Je sais pas. Objet mélangeable. Ça doit être là-dedans, non? Alors, fier prince Saiyan. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être le titre, non? Une espèce de titre, non? Je sais pas. Si vous savez ce que c'est, chers amis, dites-le moi. J'avais marqué ça quelque part, c'était 18, 42, 42. Ah bah on peut y avoir, 42, 42. Voilà. Donc on est au max niveau qui endurance qu'on doit avoir, chers amis. Par rapport à notre personnage. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ou alors c'est là-dedans, peut-être? Non. Bon, bah on va aller là, peut-être. Catégorie divine. Ouh, ça en fait des personnages à abattre. Charge maximum. Allons-y, on va essayer ça. Si c'est trop difficile, on va passer à autre chose. On va bien voir. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Oui, je suis toujours dans le cadre, c'est parfait. Bon, cool. Le premier, c'était facile. Ah, le deuxième va être un peu plus compliqué. Ah merde, j'ai pas vu venir celle-là. Putain, les dégâts qu'il me fait. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Ok. Il y a un truc nouveau là-dedans. Passons en Super Saiyan 3, boum! Parfait, ça m'a rendu invincible pendant quelques secondes, je crois. Oh, mais non, t'es sérieux? Je me trompe de gâchette avec le. T'es sérieux? Le jeu. Non, mais. Le jeu qui m'empêche de faire mon combo. Voilà, parfait. Et de deux. Falloir que j'absorbe sur l'autre. Oh merde, ils sont deux, forcément. J'aurais dû m'en looter. On va s'occuper de Videl en premier. On devrait le faire assez rapidement. Oh! Je suis pas d'accord. Elle me balance son ulti!
L'humiliation! L'humiliation, chers amis! Hop! Merci! Au passage. Hop, merci. Hop, salut Gohan. T'étais bien que quand t'étais ado. J'arrive pas à placer mon coup de poing. Putain. Mais c'est pas ça, je voudrais me téléporter derrière lui. Ah, en plus j'ai la dalle. Ça va super trop s'entendre. Aïe. Et c'est fini, Gohan! What? T'avais plus d'endurance, je pensais que t'étais KO, moi. Oh! La vexation, la vexation. Allez, hop, c'est fini, Gohan. Tu te casses. Ah, j'ai pas assez de ki. Comment ça, deux? Et je suis un bonbon. What? Elle sort d'où ta priorité, Boubou? Raté! Ah! Joli. Merci! Tu es trop gros. Ah! Allez, viens. Oh, pourquoi lui, il a la priorité? What? Quel con! Je me suis trompé de bouton! Ha! Mais merde! Même les ultis au corps à corps, ils passent pas! Hop, merci! Pourquoi il a la priorité? Hop! Hop, merci. Y'a que ça qui passe. Non. Voilà, merci. Alors j'appuie sur B, je sais pas si ça fait quelque chose, ça charge mon ki apparemment. Merci. Et tu es fichu. Ah, Ki-Max. Et voilà le Gotenks. C'est pas hyper difficile, cela dit. Hein. Mais je me doute bien que ce jeune petit garnement... Enfin, ou ces jeunes petits garnements, je sais pas. Je sais jamais. Et bien sûr. Ah. Aïe. Bien joué. Ah, je m'en doutais. Oh, il passe pas par le Super Saiyan de base, qui est super stylé sur lui, je trouve. Ah. J'attendais à ce qu'il me rush dessus. T'es sérieux, là? Eh bien, viens me chercher, merci. Quoi? Pourquoi c'est moi qui suis tombé? Oui! Il passe! Mon ulti est passé! Et ça fait quoi comme dégâts? Sale mécao, génial! Oui! Oui, mon ulti est passé! Oh, je suis le premier surpris! Seulement un rang S! Oh, salaud! Salaud, salaud! Ça se fait pas! Bon, bah tant pis, au moins on l'a eu. C'est ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Phew! Ah, peut-être que du coup Vegeta va me donner une nouvelle quête. Alors on en est où au niveau du temps? On est à 20 minutes. On est encore dedans.
Je peux prendre des cours avec des nouveaux entraîneurs parce que je voudrais savoir s'il a pas une mission supplémentaire à me donner. Ça sera ta dernière leçon. Si tu réussis tes derniers tests, félicitations, tu auras ton diplôme. Mais tu t'en doutes, je ne vais pas te faciliter la tâche. Si tu échoues, je te ferai travailler encore et encore. Si l'île ne te plaît pas, je te conseille de réussir du premier coup. Tu es là pour t'entraîner. Oui, bah écoute, je veux m'entraîner. Oui, je veux le dernier niveau. Le dernier niveau me donne quoi? Final Flash! Une technique que j'utiliserai pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, Divine, on va avoir des super entraîneurs normalement là. Bah peut-être qu'on va avoir. Oh, est-ce qu'on peut? Non, on peut pas se transformer en Super. Non, je crois pas qu'on puisse se transformer en Super Saiyan Divin. On voit Kiko a une puissance incroyable sur l'adversaire, donc c'est le Final Flash. Ruine la gueule à Vegeta. C'est surtout ça. Boum. Ah. Oh, c'est lent à monter, dis donc, ouais. Ah oui, j'ai charge énergie classique. Ah oui, d'accord, j'ai... Boum, j'ai ses techniques à lui. Ah la vache! Final Flash! Pauvre homme. Il s'est fait rect. Il s'est complètement fait rect. Remarque, si je pouvais avoir la tenue qu'il a là sans l'armure, la tenue noire sans l'armure, ça me plairait. Cool, niveau sup. Level up! Level up! Pour ceux qui connaissent Altered Beast. Ok, cool! Bon, on va aller voir qui sont les nouveaux maîtres du coin. Bien joué, mes leçons. Bien joué, mes leçons, c'est terminé. Tu as ton diplôme, et alors maintenant, fais ce qu'il te plaît. Quoi? Tu as l'air de vouloir quelque chose de plus. Écoute, je ne peux pas te faire grimper plus haut. Je t'ai montré de nouvelles techniques mêlées de ta responsabilité de les perfectionner. T'en as arrêté d'imiter les autres et de définir ton propre objectif. Contrairement aux autres policiers, tu as du talent, donc ce conseil s'adresse à toi. Si tu me considères comme ton professeur, alors assume ta force avec fierté, c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair! Alors, qu'est-ce qu'on a des nouveaux maîtres? On a des gens par là. Ça, c'est C18. Là, on va avoir Sangohan, petit en plus. Là, ça va être qui? Ah, faut que je monte plus haut. Alors, il était en dessous en fait. C'est Slug, bien sûr, d'accord, ok. Là, ça va être Tenshinhan à droite. C'est ça. Là, on va avoir des Namek. Ça m'intéresse pas plus que ça. Cell. Uniquement Cell. Doria et la saga Namek, effectivement. Et tout autour du championnat, il y en a quelques-uns aussi. Là, ça va être Piccolo. Yamcha. En bas, ça va être Nappa. Et là, je sais plus... Non, ça va être Nappa, là. Non, ça va pas être Nappa. C'est qui va être là? Raditz. D'accord, donc au final on trouve rien de nouveau ici en tout cas. Pour le moment. Bon. On va aller retenter la quête avec les trois zigotos. On va aller mettre nos points d'attribut. Hop. Hop, voilà. Et au niveau des objets. Celle de tes alliés. Charge légèrement ton ki. Et j'ai rien pour... J'ai rien de plus pour la santé, c'est cool. Bon bah tant pis, on va y aller comme ça. Hein. Ah oui, il y avait une quête aussi comme ça qui a été corrigée, chers amis, une quête ultime. Donc vous en inquiétez pas, on la refera. On la refera. Allez, on va y arriver. Est-ce que je peux pas prendre des gens avec nous? Info joueur. Connexion. De toute façon, je veux pas ce niveau 8. Bon, c'est pas grave, on y va. On va essayer.
Non. Je vais le regretter, peut-être, effectivement. On va se faire violer. On va se faire violer. Ouais, il rigole pas, tu vas te faire violer. T'es sérieux? Il y a eu combien de chopes là déjà? J'essaie de me téléporter un max. Et comme vous le voyez, je prends cher. T'es sérieux là? C'est pas sympa. T'es sérieux? Mais putain. Non, j'étais dessus. Tout se passait si bien. Quoi? Faites-les encore plus longs vos combos, y a pas de soucis. Et je vais me bouffer l'ulti. Putain, mais lâchez-moi la grappe! Non, non, non! Dégage de ma vue! Mais merde! Je suis en pleine téléportation! Mais merde! Y a rien qui passe! Mais merde! Laissez-moi tranquille! Allez, la petite d'énergie. Allez, Marcus, la petite! Allez, mais putain, mais redresse-toi! Pourquoi? Voilà, et 2-1. What? C'est quoi ce bordel? Il tape pas fort, hein. Et je peux rien faire. Vous avez vu les combos qui m'enchaînent? Mais putain, mais... J'essaie de les faire plus courts, chers amis, hein, je suis désolé. Mais... Mais putain, mais... Le mec, il me sort ça de nulle part! Et voilà, rect. Fin. Putain, c'est vraiment un combat de merde. C'est vraiment un combat de merde, chers amis. Tu as perdu. Non, c'est vrai. Je vais récupérer plus d'objets de soins. Je vais acheter des objets de soins. C'est fou, hein. Ta gueule. Ah bah de toute façon, je pourrais pas... Ah oui, c'est vrai, je pourrais pas la refaire. Parce que vous êtes des putes. Développeurs du jeu, vous êtes des putes. Voilà, c'est tout. Vous faites un jeu qui est à 85% le même que le précédent. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Hop, allez, on avance. Hop. Acheter avec des zénis. Putain, le prix que ça coûte. Hop, voilà. Comme ça, je pourrais les équiper. Technique. Peut-être des nouveautés. Super explosion de ki. Pourquoi pas. Je peux peut-être vendre des choses aussi. Attendez, j'ai des médailles normalement.
Hop. Voilà. Ok. Donc maintenant j'ai un peu plus de sous. Je pourrais acheter ça à 150 000 points. Allez, rigolons. Évasion. Elle coûte toute 300, donc ça revient au même. Canon Kiko, bien sûr, je vais gaspiller mes points de vie. V'là autre chose. Non, rien d'intéressant dans ce coin-là. Mélange, ça m'intéresse pas pour l'instant. Boutique de fringues. Est-ce qu'on a quelque chose qui maximise les coups de poing? J'ai dit qu'il maximise, hein, donc il faut la remonter très très haut. Ah, une combat de Thalès. Ah, effectivement, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Elle coûte 40 000! Tenue de Sangohan petit, bien sûr. Il y a des limites, je veux pas avoir honte non plus. L'objectif, c'est pas d'avoir honte non plus. Ok. Donc, pour l'instant, j'ai un truc très moyen, mais ça me suffit. Apparemment. Bon. Bon. Et la boutique pétée, elle est pas ouverte, hein, forcément. Ah. Ah, j'ai plus assez de pété aussi. Je suis plus assez pété, chers amis. Je suis plus assez pété, voilà autre chose. Il paraît que le point du dragon, c'est une tuerie. Bon, bah écoutez. Qu'il est complètement OP. Ok, bon. Non, parce qu'on est déjà arrivé à plus de 30 minutes d'épisode. Bah écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Pardon, j'arrivais à parler, j'arrivais plus. N'hésitez pas à aller voir dans la bannière de la chaîne, dans le descriptif de l'épisode, aussi vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie, comme je vous remercie de votre soutien et de votre suivi. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, je vais arriver à parler. Et yaaaap!